c'était plutôt un duathlon déjà. Première course à pied, bien, un rythme pas trop soutenu pour pas se griller en vélo. Et donc parcours vélo assez exigeant où j'ai pu remonter quelques places, revenir à la... J'ai posé le vélo en deuxième position. Donc ça s'est bien passé, mais j'ai eu des crampes dans la deuxième partie du vélo, des crampes au mollet où il a fallu que je m'étire un petit peu. Et je suis parti en course à pied avec les deux autres concurrents qui étaient avec moi et qui sont partis plus vite. Donc je termine quatrième et je suis satisfait de ma course. Moi c'était très très dur, première course à pied sympa, dommage j'avais pas de natation. Du coup, première course à pied j'étais pas trop mal, j'ai terminé troisième et puis premier tour vélo direct dans le dur, peut-être un peu trop forcé à pied, je sais pas. Et puis deuxième tour, j'ai revu Fabrice Collin, un autre qui m'ont doublé. J'ai réussi à tenir un petit peu avec eux, puis après j'ai complètement explosé. Et en posant le vélo, des crampes beaucoup. Et je me suis fait redoubler par Michel Seyer et puis Raphaël Tinger. Je dois faire 7e. Satisfait? Non, pas satisfait. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la course. Comment ça se fait que la natation a été annulée? Il paraît qu'il y avait une bactérie dans la gravière. Il y avait eu des tests qui avaient été faits, donc pas de natation. Normalement, natation, je sors bien, je sors devant avec un peu d'avance sur les autres sans trop m'épuiser. Là, une course à pied, c'est pas la même. Le duathlon, c'est un autre sport quand même, hein. C'est pas le même sport que le triathlon. Et puis, pas préparé du tout pour ça, donc voilà. Conditions étaient idéales, hein, niveau météo? Super conditions, pas trop chaud en course à pied, en vélo, bien. Un léger vent pour se refroidir, donc c'était vraiment des bonnes conditions. Pas de pluie, la route sèche, donc c'était très bien. Qu'est-ce qui vous attend maintenant? Comme épreuve. Donc moi l'épreuve qui m'attend c'est dans 15 jours, c'est l'étape du tour Megève-Morzine. Donc une étape qui est organisée par ASO qui est ouverte aux amateurs. Et moi dans 2 semaines pareil, triathlon de Toulon. Voilà.